un déroulement d'objectif. Personne, voilà, très bien. Alors passons dans l'autre partie de ma liste, j'en ai mis quelques-uns, qui a déjà travaillé la gestion du stress. Madame, madame, ok, deux, trois personnes, c'est bien. Qui connaît les mecs à prendre, hein? Oui, vous êtes joker, vous. Qui connaît les névrologies de Robert Dix? Toujours la même. Toujours la même personne. Qui connaît les deux types de changements selon Grégory Bateson? Toujours. Ok. Je pourrais continuer, j'avais fait toute une liste, vous voyez. Et je pense que la problématique est vraiment là. En fait, comme on verra tout à l'heure, puisque je vais vous raconter une histoire que je raconte malheureusement beaucoup trop souvent à mes clients, partout dans le monde, au Maroc également. En fait, on est beaucoup dans l'intellectualisation des choses. Et tout ce dont vous avez parlé ce matin, qui est éminemment scientifique, est éminemment pointu, est certainement intéressant. En même temps, en termes de performance, il y a performance dans une entreprise à partir du moment où, très concrètement, les choses sortent de l'entreprise, l'argent rentre, etc. D'accord ? Et malheureusement, ce ne sont pas des scientifiques comme vous qui le font. Ce sont des hommes et des femmes, des ouvriers spécialisés, peut-être, ou peut-être pas, qui sont amenés à le faire, eux-mêmes dirigés par quelqu'un qui s'est distingué, qui est peut-être monté d'un cran, qui est devenu leur chef, et c'est à lui qu'appartient le fait de faire en sorte que cette entreprise soit performante. On croit toujours que c'est le patron tout en haut qui est en charge de la performance de l'entreprise. Non, il en est responsable. Ce qui est très différent. Mais ce n'est pas lui qui est en charge. Et celui qui est en charge, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement fréquenté ces belles universités. Alors, durant plus de pratiquement 30 ans aujourd'hui, j'interviens, parce que j'interviens faire un conseil, dans des projets, dont certains sont des projets très immenses, hein, puisqu'on va prendre l'équivalent de, je ne sais pas, mettons à Tijari ou à Fabrank, on va prendre de mur à mur en équipe internationale, et on va travailler sa performance durant 9 mois ou 12 mois, avec des contrats qui sont très confortables, puisque ce sont des contrats de l'ordre de 40 millions d'euros. Et c'est tellement confortable qu'on a même offert aux clients une garantie contractuelle de résultat, garantie qui spécifie dans les 12 mois qui suivent la fin du projet, il récupérera à minima 40 millions. Mais généralement, il y a une promesse morale qui est là, qui est de l'ordre de 150 à 300%. Donc, la pression sur nos épaules est très importante. Nous ne sommes pas que des consultants, nous sommes aussi des implémenteurs. À partir du moment où l'entreprise était d'accord d'avancer, eh bien, à ce moment-là, nous l'accompagnons dans la réalisation de nos recommandations. Ce qui met quand même la pression sur les épaules. Et clients, ils comprennent très bien ce qu'est un euro, ce qu'est un dirham. Et donc, il nous suit très fort. D'ailleurs, la première chose que nous ayons à gérer, nous, en tant que consultants, enfin, surtout les chefs de projet, c'est gérer la dépression du client. Il vient de signer pour beaucoup d'argent, il n'a encore rien reçu. Les premières livraisons ont lieu 13 semaines plus tard, il tombe complètement en dépression parce qu'il se dit, est-ce que je viens pas de jouer ma carrière sur un coup de dé? Et il faut l'accompagner par rapport à ça. Alors, on se rend compte que même au plus haut niveau, finalement, il y a d'autres composantes que des composantes techniques, qui sont là, il y a des composantes émotionnelles, il y a des composantes humaines, et c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, avant de rentrer dans ce type de mission, que faisons-nous? Eh bien, nous nous mettons dans l'ombre des gens et nous regardons ce qui se passe, de façon déjà nous, à notre niveau, de vérifier que le potentiel est là, de façon à pouvoir honorer nos promesses. Et on va avoir une approche qui est une approche finalement de l'huissier. En fait, on va observer les choses sans jugement. On va juste les relever. Quand on aura relevé l'ensemble des choses, on prendra du recul et on tentera de prendre, enfin, d'interpréter les choses, de les comprendre. Je vous disais tout à l'heure, on arrive toujours à la même histoire, et c'est cette histoire que je vais vous conter, en faisant de temps en temps un aparté ou l'autre, ou tout de suite, de façon à peut-être à enfoncer le clou sur certaines notions qui me paraissent excessivement importantes en termes de performance. Lorsque nous rencontrons le client, au moment des conclusions, généralement la première chose qu'on lui dit, c'est « vos gens ne travaillent pas ». Vous pensez que vous payez des gens pour travailler, eh bien, le fait est que ce n'est pas tout à fait le cas. On sort généralement... Alors ça, ce sont des chiffres réels, issus d'une mission. D'une mission à l'autre, ils ne sont pas très différents. C'est pour ça que j'en ai pris une, et puis on va travailler là-dessus.
ça va peut-être changer d'un demi-pourcent ou d'un pourcent de mission à l'autre. C'est non-revendre. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le cycle Mercedes, vous comprendrez très bien pourquoi. Mais pour un tiers du temps, ben, vos gens travaillent et ça va partir en vert, donc c'est en principe ce que vous avez payé, enfin c'est ce que vous espérez avoir payé pour 100% du temps. Pour un tiers du temps, il n'y a rien qui se passe. À tort ou à raison. D'accord ? En même temps, on est diffusant, on peut les laver de temps en temps, mais enfin, des choses en genre-là. Bon, il n'y aura jamais un 100%, on ne va jamais d'ailleurs viser un 100% en termes d'amélioration des entreprises. D'ailleurs, en termes de gestion du stress, on cible généralement 80%, c'est ce que disent les scientifiques, parce qu'au-delà de ça, on ferait exploser les gens en plein vol. Et puis, il y a un tiers de temps qui est en jaune où il y a des opportunités masquées. D'accord ? Le temps n'est pas exploité du mieux qu'il pourrait être. Exemple, qui est très lié au lean manufacturing, pour ceux qui connaissent. Imaginons une secrétaire, elle vient taper son courrier, et puis au moment de l'enregistrer, bardaf, crash informatique. Avec beaucoup de courage et peut-être un peu d'agacement, elle rallume son PC et retape le courrier. Économiquement parlant, l'entreprise vient de payer deux fois pour la même chose. Alors vous direz, oui, la crash informatique, ma foi, ça peut arriver. Et c'est vrai que ça arrive une fois par an, j'en ai rien à faire. Maintenant, ça arrive 15 fois par semaine. Je peux mettre un coup là-dessus. Je peux éventuellement calculer également un impact en termes de motivation et donc de coût lié à la motivation. Et je peux comparer tout ça, et des autres choses que je pourrais rajouter d'ailleurs, je peux comparer au coût d'une solution. Qui est peut-être le fait d'acheter un onduleur qui permettrait d'éviter l'interruption brutale de ce PC. C'est la démarche dans laquelle nous allons être avec l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir ramener finalement à des choses qui sont très économiques finalement, et en même temps qui apportent du confort et du bien-être. Alors l'idée ne sera jamais dans nos démarches de travailler plus dur. Notre travail sera toujours de travailler plus intelligemment et d'aller récupérer ce qui est à récupérer et de corriger ce qui est à corriger, ce qui va donner du confort et du bien-être aux gens, tout en améliorant la performance. Donc en gros, vos gens ne travaillent pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que vos managers ne managent pas. Donc on observe les gens en train de travailler et dans la mesure du possible, on regarde ce que fait le premier échelon du management, c'est-à-dire le superviseur dans notre jargon, c'est-à-dire le premier niveau du management en contact avec les points d'exécution. En fait, on va regarder ce qu'il est occupé à faire, on va le classer dans 6 catégories, alors on fait rapidement, envers du management actif, c'est-à-dire que c'est lui qui va vers les gens pour leur donner des instructions, leur fournir une direction, etc. En bleu, pour mémoire, pour l'instant, la montée en compétence de ses collaborateurs, donc le temps qu'il consacre à la montée en compétence de ses collaborateurs. En orange foncé, le management passif. Ce sont les gens qui viennent vers lui pour avoir un acte de management du genre « Tiens, chef, la machine est tombée en panne, qu'est-ce que je fais maintenant ?» En orange, plus clair ou en jaune, la partie administrative, le temps qu'il consacre à l'administration. En gris, c'est pire que ça, c'est le temps qu'il consacre à faire du travail en se substituant à son personnel. Il fait le travail de ses hommes à la place de ses hommes. Et puis en rouge, il n'est pas là. Pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, il est absent de son périmètre. Il est peut-être en réunion avec le patron, il est peut-être occupé à boire un café, mais il n'est pas là dans son périmètre. Donc son périmètre est laissé à l'abandon, il n'y a personne pour le conduire, il n'y a personne pour le faire avancer. En tant que consultant, ce que nous aimons voir pour avoir une bonne performance, c'est du management actif. Et puis, mais qui se préoccupe également de la montée en compétence de ses collaborateurs, parce que c'est vraiment la bonne idée. On va rentrer dans un cercle vertueux ascendant. La personne, déjà, elle va faire le travail comme il faut. Elle sait déjà qu'elle va recevoir, grâce à ça, les félicitations de son chef, en tout cas, la satisfaction de son chef, ça la motive. En plus de ça, ça lui permet de pouvoir rentrer à l'heure parce qu'elle ne va pas devoir reprendre le travail, etc., etc., etc. Donc, beaucoup de mots de l'entreprise et beaucoup de mots humains vont pouvoir être réglés. Simplement parce qu'à un moment donné, j'ai un manager qui est dans son rôle de management. D'accord ? Ce qui me fait dire qu'en fait, on a un gros problème, et ce problème, nous l'avons, je le constate dans les organisations ici aussi, et les managers, on a une grande confusion entre un expert et un manager. Alors si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre les deux, marchez dans les couloirs de vos organisations, et puis si à chaque fois que vous voyez une porte marquée manager, et si vous poussez la porte et que vous regardez à l'intérieur, si vous y trouvez un homme ou une femme en train de travailler sur des dossiers très compliqués, sachez que c'est un expert, c'est pas un manager. On a besoin des deux dans nos organisations. Ça fait 20 ans que je plaide pour qu'on ouvre les deux filières d'évolution, mais on a aussi besoin d'avoir des gens qui sont en maîtrise de leur périmètre et en conduite de leur périmètre.
Pourquoi est-ce qu'on en est là? Eh bien, probablement, et ça c'est une explication qui m'est très personnelle, vous êtes là à l'université, et puis un jour, vous allez sortir avec vos diplômes, vous allez trouver un emploi, je vous souhaite, le plus rapidement possible, un emploi qui vous plaira. Et le premier emploi qu'on va vous confier, ce sera probablement un emploi technique, un emploi qui est aligné sur vos compétences et compétences acquises à l'université, ce qui est tout à fait normal. Et puis, dans cet emploi, vous allez probablement exceller. Et dans la façon dont nos entreprises sont gérées aussi aujourd'hui, comme vous excellez dans cet emploi, on va vous récompenser. Et comme la seule récompense possible aujourd'hui dans le paradigme de nos entreprises, c'est le fait d'évoluer dans la ligne hiérarchique, on va vous faire de vous un chef. Et inconsciemment, qu'allez-vous vous dire? Waouh, super, t'as vu, j'ai super bien fait ma technique. Et je suis monté. Waouh, je continue. Vous allez reproduire le modèle qui était le vôtre. Et votre chef, vous, ça fait déjà deux fois que ça lui arrive, il vous coopte, il dit oui, vas-y, continue de faire ta technique. C'est comme ça qu'on monte. Et ce faisant, nous avons tout un système de cooptation, depuis le sommet jusqu'à la base, où finalement nous avons des armées de techniciens, mais finalement le terrain en lui-même est laissé en jachère, il est laissé à lui-même, et puis après ça on s'étonne que les résultats sont toujours très très bons. Alors, ce n'est pas qu'une assumption de ma part, c'est une observation, nous allons en parler dans un instant, dans la suite des constats. Simplement, disons déjà ensemble, les attentes d'un manager qui soit en maîtrise de son périmètre et ses résultats, c'est ma grande croyance. C'est pour moi le rôle d'un manager. Et également, qu'il obtienne des résultats à travers les ressources, dont les ressources humaines, hein, des ressources qu'on lui a confiées. C'est bien ça le rôle d'un manager, c'est pas de faire la place de ses gens, c'est d'exploiter, excusez le terme, c'est le terme économique, c'est d'exploiter ses ressources de façon à tirer les résultats attendus. D'ailleurs, une des grosses difficultés qui sont liées à ça, c'est que souvent, on n'a pas les termes nécessaires d'une négociation correcte des ressources dont on aurait besoin, et ça ressemble un petit peu à une négociation de marchand de tapis dans la médina, où on va, écoute, j'ai déjà 5 personnes, écoute, je t'en donne 3, et si tu montes à 4, ça ira quand même. Non, on a besoin d'avoir des approches beaucoup plus objectives que ça, d'où les questions d'adéquation aux charges de capacité que nous travaillons dans le cadre de la décision. Alors, un manager n'a pas pour vocation ni priorité de produire lui-même. Sa première priorité, c'est d'être en maîtrise de son domaine, de ses résultats. Il doit conduire les opérations et se préoccuper au quotidien de la montée en compétence de ses collaborateurs. Je souhaitais vraiment enfoncer le clou là-dessus. C'est excessivement important. C'est pas juste les mettre en formation. On peut le faire de temps en temps, bien sûr. Et c'est aussi dans le cadre de son management au quotidien de corriger un geste qui n'est pas bien posé, de s'arranger à ce que la personne puisse avoir la micro-formation dont elle a besoin. C'est peut-être la mettre en doublon avec quelqu'un aujourd'hui parce qu'il va pouvoir apprendre une nouvelle technique dont il a besoin, etc., etc. On peut manager son périmètre avec intelligence, et c'est ce que je disais tout à l'heure à nouveau. L'idée, c'est pas de travailler plus dur, c'est de travailler plus intelligent. Toutes mes ressources n'ont pas besoin d'avoir toutes les compétences, et ça, c'est ce qu'on va faire éventuellement dans le cadre d'une mission, à travers ce qu'on appelle les matrices de polyvalence.